Resto Geek. Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. C'est toi. C'est quoi la suite? La suite, c'est Sekai no Yami Zukan. Et c'est Stalas qui nous en parle. Ouais. Retiens donc comme il faut. Sekai no Yami Zukan. Sekai no Yami Zukan, ouais. Je pense que ça va, j'étais pas trop mal. Ça passe. J'ai fait pire. Le Yami qui est très qui est assez connu si vous êtes fan de Yu-Gi-Oh! Puisqu'il apparaît dans tous les noms de tous les persos, j'ai l'impression, même si c'est pas vrai en vrai, et qui veut dire ténèbres, tout simplement, enfin qui est la signification de ténèbres. C'est une mini-série, vraiment mini-série d'animation qui est sortie en avril 2017, qui a été produite par Tokyo Studio, ou TV Studio, je ne sais plus. TV Tokyo, je ne sais plus le nom. TV Tokyo, je crois. Attendez, je le retrouve. Dans l'autre, t'as mis TV Tokyo, en tout cas. Putain, j'ai plus Crunchyroll d'activer. Je crois que c'était TV Tokyo. Bon, je continue de chercher en parallèle, mais pour continuer. Donc, 2017, donc ça commence à dater. Il n'y a eu qu'une seule saison. Il y a 13 épisodes. C'est pas... Donc, c'est vraiment pas... C'est pas long. D'autant que chaque épisode ne dure pas 25 minutes comme un animé classique. Ça dure plutôt dans l'ordre des 4 minutes. Oui. Et alors, de quoi ça parle? Eh bien, ça raconte en fait des histoires d'horreur. Alors, pas forcément. À la base, je pensais que ça allait être des histoires sur le folklore japonais avec. Enfin, principalement sur le folklore japonais avec des yokai. Mais non, 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 en fait, c'est des histoires d'horreur mondiaux, mais carrément. Il y en a qui se passent en Amérique, en Inde, dans les îles, au Japon, etc. Ok. Et cool. Ouais, c'est assez cool. Ça permet d'avoir des ambiances différentes. Il y a des ambiances différentes. Bah après, ça. Alors, il faut que je retourne sur Crunchyroll pour voir tout ça. Mais où est-ce qu'il est mon téléphone là? Ce sera plus simple. Il y a quoi comme histoire? Il y a une histoire avec un clown. Donc, ça, c'est. Classique. Ça, étrangement, je savais qu'il allait. À l'heure actuelle, classique. Ça, je savais que ça allait être fait. L'ombre noire de la tentation. Le premier, c'est sur les extraterrestres. Le deuxième, c'est un esprit de l'allège. Le troisième, c'est sur une aire d'autoroute. Le quatrième, c'est la vraie nature des cercles de culture. Le cinquième, c'est des androïdes. Vous êtes allé dans un cercle de culture. Le sixième, c'est je sais pas trop quoi. J'ai pas compris. Le septième, c'est les clowns. Le huitième, c'est un peuple indigène qui rapetisse des gens. Il est très cool. Arthur et Minimoise. Ouais, presque. Le neuvième, c'est une boîte maudite qui tue tous ceux qui la regardent, sauf que dans l'épisode, on la voit, donc je vais finir par crever. La boîte des pandas. Ah, peut-être. Il n'y a pas de nom. C'est juste la boîte maudite. Le dixième, c'est un masque qui, quand si on le met, il nous finit par nous buter. En fait, c'est un masque qui est... Majora's Mask. C'est pas impossible non plus. L'appel des abysses, c'est des hommes qui se transforment en statues. C'est la gorgone. Ah, la gorgone, t'as raison. Ouais, c'est pas loin de la gorgone, effectivement. La 12, l'épisode 12, c'est un scientifique qui transforme les hommes en hommes poissons. Et le 13, c'est le petit chaperon rouge, sauf qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de chaperon rouge, il n'y a pas de loup, et ça se finit pas bien. D'accord. Ok. Et bah, ouh. Mais c'est très sympa. Mais donc voilà, c'est en général, c'est dans ce ordre-là que c'est construit. Ça veut dire l'introduction, tout simplement, pourquoi ça va arriver. Après, il y a la chose qui arrive. Et en général, ce qu'ils essaient de faire, c'est toujours de cacher au maximum ce qui va se passer pour justement, quand ça arrive, créer l'ambiance pour que quand ça arrive, justement, on soit bien impliqué dedans. Ouais, mmh. je vois ce que tu veux dire. De bien préparer le terrain pour que tu sois bien dedans quand ça arrive. Après, l'animation, comme vous pouvez le voir, c'est pas de la véritable animation dans le sens où c'est pas des dessins qui sont animés, c'est des dessins qui sont faits et après c'est du... Ils font enchaîner. C'est des espèces de diapos, sauf l'épisode avec le clown qui se fait en photo. En c'est photo c'est des photos. Photo réaliste. Enfin, c'est... Oh, en fait, putain. Je sais pas si c'est des vraies photos... Enfin, des actrices qui ont essayé de le mettre et ils ont pris les photos, ou si jamais ils ont filmé le truc et qu'ils ont fait arrêt sur image pour récupérer. Mais en tout cas, c'est le seul épisode qui est comme ça. Il est sympa.
Il est sympa, c'est épisode avec le clown, je vous le conseille. Et pareil, vous n'êtes pas obligé de regarder tout le... Enfin, pareil, pour ce qui va arriver après, du coup. Donc, c'est pareil après, je ne sais pas comment ça se dit en français. La chute sera du même type. Oui, voilà, par exemple. Ça veut dire que vous êtes... Vous n'êtes pas du tout obligé de regarder l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez faire 13, 7, voilà. Moi, j'ai regardé dans l'ordre parce que Crunchyroll fait que c'est plus simple dans l'ordre. Puis de toute façon, c'est plus simple de regarder dans l'ordre tout court. Mais voilà, vous pouvez regarder. Je vous disais, il dure quoi, 4 minutes. Chaque épisode dure 4 minutes. Ça se regarde en 40 minutes, à peu près 40-45 minutes. C'est assez rapide. Et c'est très, très cool, en tout cas. Ok. Parfait. Bon, je regarderai pas celui du clown, surtout en photoréaliste, mais non, en vrai peut-être. Moi j'aime pas les clowns. Non, bah, si tu veux, je te la raconte, tu vas voir, c'est très cool. Non. Dommage. Là, c'est un peu de. Moi j'ai été traumatisée par le clown mythique de Stephen King quand j'étais petite, c'est bon. Juste pour donner envie, l'histoire du clown, ça serait que un clown apparaîtrait dans certaines conditions. Et en fait, ça terrifie. C'est deux sœurs japonaises qui entendent cette histoire, parce que c'est un conte étranger. Elles entendent cette histoire et il y en a une des deux qui a peur justement de ce conte. Et l'autre le fait apparaître du coup. Non. L'autre, elle est. Alors, l'histoire se passe dans leur appartement et l'autre, elle est tout simplement en train de cuisiner. Ok. Il y en a une qui cuisine et celle qui a peur, elle repense beaucoup à cette histoire et d'un coup, elle voit qu'à l'extérieur, tiens, ça ressemble à ce que le conte disait et du coup, c'est là où ça commence. Ok, voilà. C'est comme Bloody Mary, si tu dis trois fois son nom devant un miroir, elle apparaît. C'est un peu plus compliqué que ça, mais ouais, ça ressemble non, à ça. Non, c'est un peu compliqué que ça. Oui, non, mais c'est le même principe. Ça te dit que alors le président, il va mourir, et puis là, oh, le président, il va mourir. Et du coup, tu fais, oh putain, ça risque d'arriver. C'est plus compliqué que ça, comme ça, Stalas. Ouais. C'est plus, il faut... il faut une condition pour que le lien entre notre monde et son monde s'ouvre. Oui, c'est ça, mais c'est une condition qui n'arrive pas comme ça, et c'est juste... Non, c'est pas une condition du genre, j'allume des bougies en cercle et c'est ça, ouais. On voit Cola Maria pour que ça s'ouvre. C'est ça. Ouais. C'est une condition auquel tu peux rien faire. Parce que là, c'est des conditions météorologiques à ce que j'ai compris. Et donc, du coup, bah, il n'y a pas grand-chose. C'est clair. Ok.